Bonjour à toutes et à tous, c'est Cobra Guru, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans Mega Aquarium. Alors, je vous l'avoue de suite, j'avais vraiment pas prévu au début de faire une nouvelle vidéo sur ce jeu, parce que vous n'êtes pas beaucoup à regarder les vidéos sur ce jeu. Mais j'ai tenu quand même à faire cette vidéo, déjà parce que le développeur, petit studio indé, continue à faire des patchs régulièrement. À améliorer son jeu, donc c'est déjà très très bien, il faut le souligner. Et puis parce que, en fait, vous allez voir. Donc, chaque fois, hein, comme mes précédentes vidéos, chaque fois qu'on termine un niveau, qu'on accomplit les objectifs, puisqu'on est dans un mode campagne, on se retrouve à avoir la possibilité de partir travailler et ailleurs avec un autre défi. Et vous allez voir, c'est pour ça que j'ai voulu vous le montrer. Parce que vous allez voir, le prochain défi, il est pas mal. Nous allons donc à Elmshorn, où on va devenir l'architecte de l'aquarium d'une collectionneuse privée. Une collectionneuse privée veut construire un nouvel aquarium public à partir de zéro, et elle veut que tu en sois l'architecte. Ils ont déjà installé un grand bassin qui sera la pièce maîtresse de l'aquarium. Le reste dépend de toi. L'aquarium doit être prêt à l'ouverture au public. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous avez vu? On change complètement de niveau là. On a un bassin avec un accès en hauteur. Excellent, hein? Donc on a deux filtres combinés, ce qui nous donne, d'accord. Animaux différents, 0 sur 5. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Ne peut pas vivre avec une brute, ça on avait compris. Poisson de banc, a besoin d'être dans un groupe d'au moins 4. Bon, les granulés on s'en fout, n'aime pas la lumière. Pas la concurrence, ne peut pas vivre avec un autre animal qui mange des granulés verts. C'est excellent. Attention, peut manger ou blesser les coraux durs, les mollusques, les gorgones. N'aime pas ses cons spécifiques, ne peut donc pas vivre avec. Alors lui, il mange des granulés verts. Peut manger ou blesser les crustacés. Alors le Bernard l'ermite, il est pas mal pour nettoyer, mais il pollue beaucoup. J'en mets un. On va voir. Je vais en mettre qu'un pour le moment. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ne peut vivre que dans un bassin profond. Faire un bassin de ma boule. Allez, un petit tronc. Dès l'étude meilleure. Ah zut, les gravasses par 4. Ah, j'ai tout rempli, hein. Bon, donc on a mis un Bernard l'ermite. Alors lui ne peut pas vivre avec une brute, donc on doit pouvoir le mettre. Granulé orange. Je dois pouvoir le mettre aussi. N'aime pas la lumière. A besoin de grotte. La grotte, je l'ai mise. J'en suis à 4.
n'aime pas la concurrence, ne peut pas vivre avec un autre animal qui mange des granules verts. Alors pour le moment, j'ai mis que des granulés orange. Il ne peut donc pas vivre. Alors lui, je vais pas pouvoir mettre sur lui la tête de renard parce que je vais mettre lui. Et lui, vous voyez, il peut pas vivre avec un autre poisson. Donc je peux en mettre qu'un. Corodure, mollusque et gorgone. Le Bernard l'ermite, c'est quoi comme catégorie? C'est un mollusque? Pourquoi ils mettent pas? C'est un crustacé, on est d'accord, mais... Donc, c'est lequel qui bouffe tout? Peut-être pas. Voilà, donc j'ai... Oui, oui, ben je sais, il faut que je mette la nourriture, je le sais. Et le verre. Voilà, donc le bassin est prêt. Construire d'autres bassins. Oui, ben ça j'avais compris. J'en suis à quoi là? Oh, ben, dites-moi, il y a de la place, hein. Alors lui, il en faut 4. Qualité de l'eau insuffisante. Et ouais. Je suis sûr que si j'enlève le Bernard l'ermite. Voilà, donc je récupère. Mais c'est pénible, hein. Si je le mets, l'eau, la qualité de l'eau n'est plus bonne. J'ai pas assez de poissons. Il est où le Bernard? Bernard, t'es où? Ouais, j'ai pas. J'ai un niveau d'eau qui est mauvais. Aïe 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 aïe. Il va falloir que je mette plus de place. Hein. Je sais pas comment je vais faire. Ça c'est le souci. Je suis un peu déçu de ce côté-là en fait. Puisse pas mettre voilà, si je mets chaque fois qu'on on bloque tout, et comment je suis censé faire? Bon, je suis en train de finir. Donc bah, j'ai fait comme ça. C'est vraiment pas beau. Et j'avais pas le choix. Mais alors pas du tout. En fait, ouais. Parce qu'il faut pouvoir accéder à tout. Alors, on pourrait peut-être faire ça. Voilà, comme ça, ils peuvent accéder de partout. Pour le mécano, bien évidemment. Alors, donc je suis en train de finir de rajouter. Carvalet. Il faut un établi. Les bancs.
Oui, 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 je vais plus avoir de sous pour faire. Pour mettre des poissons dites. Ouais. Et zut. Alors c'est quelques, c'est lesquels que j'ai pas mis? Ben voilà, je vais mettre une murène ici. Ah bah oui, non mais je peux pas mettre de murène, j'ai pas mis de machine. Ah zut. Ça suffit? Non, il faut une voiture. Fait quoi? Je peux prendre un emprunt ou pas dans ce jeu? Première vue, non. Bon, bah oui. Alors. Oh, on peut mettre du marquage au sol? Eh ben, dites-moi. Et alors j'ai dit la murène, c'est le rouge. Alors il me manque. Ouais, mais non. Il faut que je supprime la murène en fait. Pas évident. Je ne peux pas mettre la murène parce que il me faut un point vert, donc la murène n'en a pas, et je peux pas mettre autre chose avec. Ah, quoi que si. Elle peut bouffer les crustacés, mais sinon, mon bassin. Ah ouais, mais voilà, le problème il est là, c'est que la murène elle va prendre jusqu'à 9 en taille. Alors, le nain flamme, j'en ai déjà mis un. Le papillon collier, je l'ai mis aussi. C'est la tête de renard que j'ai pas mis. N'aime pas la concurrence. Ne peut pas vivre avec un autre animal qui mange des granulés verts. Voilà, donc il me reste ça à mettre. Il a pris combien de place? Oh. Il prend 7 places, mais vous rigolez! Sortir. Il me manque encore 20 points, mais je vais les trouver où? 20 points de recherche. Ça fait 2 comme ça. Mais ça va salir l'eau. Et voilà. Oh là, mais c'est gonflant. Ça m'énerve. Je vous avoue que là, hein, cette partie déjà est pénible. Et pas le choix. Je suis obligé de refaire la même chose que tout à l'heure, mais. J'ai plus de sous. Et ouais, j'ai trop étendu une fois de plus. Si j'avais su. Bon, bah on va ouvrir, on va voir. Hein. La collectionneuse va explorer le monde des coraux. Ton prochain objectif, c'est de débloquer l'anémone disque
et d'en présenter dans l'aquarium. Eh ben, dis donc. J'ai du boulot, hein. Alors, ben on attaque, hein. Anémone et les cumeurs. Voilà. Bon, on va voir. Alors, je vais finaliser celui-là. Ah oui, et puis si j'ai embauché du personnel aussi. Oula, j'oublie tout moi. Je lui ai mis quoi là? Nourrissage 1, maintenance 1, entretien 2. Donc c'est pas mal. Il faut que j'en trouve. Alors maintenance 3. Nourrissage 3, nickel. Voilà. Bon, ça c'est fait. Je vais... En fait, je vais faire ça. Je pense que c'est pas mal. Donc lui, le bassin, vous voyez, il est 10 sur 10. Donc il est déjà plein. Alors, il faut que je mette un distributeur des boissons. Et on a pour parler... Mais pourquoi vous venez les prendre ici, puisqu'ils y sont là? Vous êtes pénible, hein? C'est bien réalisé. Pour un petit jeu comme ça, c'est bien réalisé. Bon, effectivement, l'aquarium, il est un peu vide. Mais bon. Allez, maintenant que j'y suis, je vais mettre la murène. C'est 3, hein? Oui, ça c'est 3. Construction en direct. J'adore la grotte. Oui, je te mets tout ça, t'inquiète, t'inquiète. Voilà. Contente. On a du boulot, hein. Pour arriver jusqu'au bout. Il faut 600 feuilles, je suis à 69, et ça il faut 600 aussi, points de recherche, et j'en suis à 63. Voilà, bon, c'était essentiellement ce que je voulais vous montrer, hein, que on part sur de nouveaux styles de bassins. Alors par contre, moi j'y ai pas accès, hein, pour le moment. On a les bassins basiques, le bassin lagon, mais
Ah, quoique. Non, j'ai pas accès au... à la plateforme en construction, vous voyez. Ah, peut-être ici en fait. Ah ben oui, voilà, plateforme et escalier, c'est ici. Bon. Donc peut-être que en fait le bassin lagon pourrait servir, mais j'en suis pas sûr. Hein. Bassin d'observation profond, vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Donc il faudra le débloquer plus tard. Voilà, donc hein, je vais pas en faire plus. Je vous ai montré suffisamment du jeu Mega Aquarium, qui est un bon tycoon, je dois le dire. C'est un bon tycoon. C'est dans la philosophie des véritables tycoons, comme depuis toujours. C'est différent. Il fallait avoir l'idée de faire un jeu sur une gestion d'aquarium. On dirait, hein, en apprenant architecte, hein, faire de la prison, pourquoi pas. Un tycoon prison, donc il y a des tycoons de tout. Il y a eu à une époque car tycoon, enfin bon, plein de choses. Donc, l'idée est sympa, c'est un peu répétitif, mais c'est comme tous les tycoons. Par contre, ce que j'ai apprécié, c'est ça en fait, c'est que à chaque niveau, pour le moment, sur les trois premiers niveaux, puisque nous sommes sur le troisième, même si moi le personnage est niveau 4, mais c'est la troisième mission, et ben, d'avoir des bassins différents, d'avoir une évolution au niveau de ce qu'on peut proposer, l'évolution des poissons, tout ça, et ben, j'ai trouvé que c'était sympa, et c'est vraiment bien. Alors, je vais rajouter un distributeur de soda à la place de ce petit gars. Voilà, tu peux boire de suite. Yippie! Et puis il faut que je mette une poubelle par contre, parce que je les connais ces petits salopiros. Hein. Ils sont dégueux. Allez, je vais en arrêter là pour Mega Aquarium. J'espère que ça vous donnera l'envie d'y jouer. Attendez que je regarde. Il vaut 20 euros. Donc, en promo, il doit valoir le coup. Parce que... bah, il a quand même un petit charme. Hein. C'est rigolo de voir tous ces gens, de faire son aquarium, c'est sympa. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Mega Aquarium. Amusez-vous, jouez beaucoup, prenez soin de vous et portez-vous bien. Salut, bye bye.